Le secteur privé national a un grand rôle à jouer pour booster l'économie nationale. Cela, tout le monde en est conscient. Cependant, il faut un cadre réglementaire et législatif propice à l'épanouissement du secteur privé. Le Club des investisseurs du Sénégal et OCDA se sont joints au réseau des parlementaires pour la promotion du secteur privé national, REPASEN, et un atelier a été tenu à Dakar à cet effet. Le thème de l'atelier ne pouvait être mieux choisi, car en définitive, le monde a connu d'importants changements depuis quelque temps. Avec une crise sans précédent qui aura bouleversé tous les secteurs d'activité sans exception, et notre cher pays n'en est pas épargné. Une pause s'impose et l'état des lieux sur la question mérite d'être fait afin de concevoir harmonieusement les prochaines étapes, afin de mieux structurer notre économie et d'accompagner notre secteur privé national pour qu'il soit le porteur du projet de notre souveraineté économique. Le Parlement est prêt à accompagner cette dynamique de promotion du secteur privé national, mais pour cela, il faut qu'il soit au cœur du processus. Au-delà des dispositifs en termes d'engagement de l'État, stratégie, engagement de l'État, tous les aspects qui concernent les orientations de l'État du Sénégal, tous ces aspects-là doivent être accompagnés par un dispositif législatif et réglementaire qui puisse permettre, dans la mise en œuvre, que la mise en œuvre puisse se faire de manière très fluide. Mais pour que ce dispositif soit mis en œuvre, il est important que nous, parlementaires, nous soyons associés. C'est une condition indispensable pour créer un cadre favorable et tous les secteurs d'activité doivent être concernés, y compris celui de la pharmacie. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de souveraineté économique, de souveraineté nationale, sans que le cadre législatif et réglementaire soit favorable à nos entreprises locales, surtout particulièrement les investisseurs sénégalais. Nous avons parlé aujourd'hui de la relance de la pharmacie. Vous savez, il n'y a plus aujourd'hui d'industrie pharmaceutique au Sénégal, ce qui est grave, alors que nous importons plus de 600 milliards, 400 milliards de produits pharmaceutiques chaque année. Pour les investisseurs, il faut débarrasser le secteur des goulots d'étranglement. La difficulté d'accès au foncier qui reste entière en dépit des initiatives récentes du gouvernement. L'accumulation des arriérés de paiement aux entreprises qui plombent leur capacité de réinvestissement et de création d'emplois. La faible disponibilité des facteurs de production dont le financement des PME. L'absence de protection minimale des nouvelles PME qui sont trop exposées à une forte concurrence internationale. Heureusement que les nouvelles autorités en sont conscientes et ont déjà posé des actes. Il est heureux aujourd'hui de constater que la première, je peux dire, activité ou bien la première démarche que le nouveau pouvoir a eu à faire, c'est de convier le secteur privé national et de tenir avec eux des conciliabules pour réaffirmer encore une nouvelle fois leur stratégie qui est de connaître aujourd'hui la souveraineté économique, en passant par la souveraineté alimentaire bien sûr, mais également la souveraineté pharmaceutique. Dans ce contexte où le Sénégal est en phase d'exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières notamment, il est important d'avoir un secteur privé national fort pour éviter l'évasion des richesses, selon le ministre Birame Soulé Diop. Les récentes découvertes de gisements de pétrole et de gaz, notamment dans celle du Grand Tortue Aïmeim, de Sangomar et de Yakar Teranga, comme ça a été dit tout à l'heure, marquent un tournant majeur dans l'histoire économique de notre nation. Le Sénégal est en train de se positionner. Ceci parce que ces ressources extractives peuvent nous assurer un pilier économique, mais à la condition que sa valorisation au niveau local soit maximisée et optimisée. Alors donc, tout ceci réuni nous permet de dire de manière très triviale quel rôle notre secteur privé national va jouer dans ça. Parce que si on a de grands espoirs par rapport à ceci, il ne faut pas s'attendre à ce que l'étranger nous ramène tous les bienfaits qu'on doit en tirer.
Et jusqu'à présent, les actes qui ont été posés nous renseignent à suffisance sur le fait que le secteur privé national, le local, ne doit jamais être oublié si on veut être au rendez-vous du profit absolu qu'il faudra en tirer pour le Sénégal. Les parlementaires sont ainsi donc disposés à apporter leur contribution dans une démarche participative pour protéger et rendre le secteur privé national fort et surtout compétitif. Merci.